Nous entrons dans 40 jours, n'est-ce pas? Donc, c'est autre chose pour 40 jours. Alors, donc, nous avons vu ce matin, juste un petit rappel, Dieu se laisse trouver quand on le cherche. C'est sa promesse. Et je vous lis le texte du jour, Jérémie 29, verset 13, et j'ai ajouté 14. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Et je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Alléluia. Donc Dieu se laisse trouver quand on le cherche. Et j'ai signalé ce matin, est-ce que Dieu est perdu pour qu'on le cherche? Est-ce que Dieu se perd? Non. Alors, comprenez-moi bien, ce que je veux que vous saisissiez, c'est que Dieu est toujours assis sur le même trône. Le ciel est son trône. Il est toujours assis sur le même trône. S'il y a quelqu'un qui a varié, c'est nous. C'est nous. Alors, et la Bible explique pourquoi l'homme est en train de tâtonner pour chercher Dieu. Parce que le prince de ce siècle a voilé leur intelligence. L'intelligence de tous les hommes est voilée, aveuglée. Il a aveuglé leur intelligence. Et puis, il a mis un voile devant le visage de tous les êtres humains, ce qui les empêche de voir Dieu qui est juste à côté. Dans les textes que nous avons lus ce matin, Dieu dit « Je ne suis pas loin, je suis tout près de toi ». Ce n'est pas au ciel où tu vas te demander, mais qui va monter aller chercher Dieu pour moi? Dieu n'est pas loin de l'autre côté de la mer. Il dit, je suis tout près de toi. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, c'est sa parole. Dieu, c'est sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Rien n'a été créé sans cette parole. Tout a été fait par elle. Et en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole a été faite chair. Elle a marché au milieu de nous, pleine de grâce et pleine de vérité. Sa parole, c'est Jésus. Alléluia. Tu veux connaître Dieu? Cherche sa parole. Tu veux chercher Dieu? Consulte sa parole. Dieu est dans sa parole, parce que Dieu est sa parole. Alléluia. Alors, c'est pourquoi nous avons insisté ce matin que c'est très important que nous nous appliquions à l'étude de la parole, à la méditation de la parole, à chercher à comprendre la parole. Alléluia. Il n'y a que dans le domaine spirituel que nous croyons que je peux venir m'asseoir, faire une heure et demie, deux heures, écouter des chants, des danses, et puis me lever, et puis j'ai la connaissance de la parole de Dieu. Il n'y a que dans la vie chrétienne que les gens imaginent comme ça. Alors que vous avez tous été à l'école. Vous avez été à l'école. Il y en a qui sont encore à l'école. Les mathématiques, là, vous êtes allé en classe une fois par semaine, écouter un professeur, et puis ça y est, les mathématiques sont entrées dedans. Non, c'est un cursus progressif. On vous apprend 1 fois 1, 2, 2 fois 2, 4. Hein? Et puis c'était comme ça au début. Et je me rappelle encore nos enfants, les bâtonnets. Un bâtonnet plus un bâtonnet égale deux bâtonnets. Aujourd'hui, ça fait des intégrales. Ça calcule des sinus, des cosinus et puis tout ce que... Hein, MC carré. Non, c'est pas mathématique ça. Hein? Bon. Vous me comprenez, moi je suis littéraire. Okay. J'ai fait un bac A4, bac philo-lettres. Mm-hmm. Alléluia. Mais j'étais le premier en mathématiques dans ma classe. Au pays des aveugles. J'avais un peu de science en moi. Donc en physique, en chimie, j'avais toujours 20 sur 20. Physique, 20 sur 20. Mathématiques, je battais tous ces littéraires-là qui ne comprenaient rien en mathématiques. Alors,
Mais pour faire ces choses, vous avez été à l'école, vous avez appris. Il y en a qui sont devenus infirmières. Infirmière, là, tu as fait quoi? Tu as été 3 ans, au moins 3 ans, pour sortir infirmière. Vous, là, qui travaillez dans les banques, comptable, marketeur, et tout ce que vous avez étudié. Et ça a été dur. Vous avez étudié. Maintenant, vous arrivez à l'église. Non, non, je viens seulement un culte le dimanche et puis, alléluia, je connais Dieu. Tu connais rien du tout. Mais alors, absolument rien. Parce qu'il faut prendre le temps d'étudier la parole de Dieu, étudier la Bible, étudier des livres. Parce que la connaissance, ça s'acquiert. Ah, cette année, à étudier la parole. Parce que Dieu, c'est sa parole. Alléluia. Il dit, vous n'avez pas besoin de courir à gauche et à droite. Je suis dans ma parole. Il y en a combien qui ont des Bibles dans leur maison? Qui n'a pas de Bible dans sa maison? N'ayez pas honte. Levez votre main si vous n'avez pas de Bible. Je vais vous en donner une. Donc, tout le monde là, chacun a une Bible. Maintenant, une Bible pour décorer les étagères. Ou une Bible pour servir comme fétiche. Il y a des gens qui font de la Bible un fétiche. Ah, je l'ai toujours sous mon oreiller. Ça ne part jamais de mon oreiller. Et vous pensez qu'en mettant la tête sur la Bible, là, les versets vont entrer dans votre cerveau. Il faut l'étudier. Il faut la lire. Et Dieu dit, je ne suis pas loin. Vous pouvez me trouver. Et quand on cherche Dieu, il dit, je me laisserai trouver. Alors, j'aimerais voir des hommes et des femmes à El Shaddai qui vont dire, c'est terminé. Là, je parle toujours de la connaissance seconde main. Hein? Le yougou-yougou, là, comme on dit chez moi. Pourquoi vous allez vous contenter toujours du yougou-yougou? Comment vous dites ça encore chez vous, là? Seconde main. Fliperie, quoi? Hein? Fliperie, ici. Tombola, à Kinshasa. Hein? Comment vous allez vous contenter toujours de ça? J'ai dit, il y a eu un moment où vraiment je faisais plaisir aux gens. Vous savez, quand vous arrivez comme étudiant africain en Europe, voilà, tout le monde voit Adama vraiment. Oui, j'ai eu un costume vraiment, il est toujours bien. Est-ce que tu veux l'avoir? Oui, donne-moi. Donc, si vous voyez mes anciennes photos là, il y a des pantalons, c'est comme ça. Et puis, je mets ça, vient jusqu'ici. Hein, et puis, les vestes là sans forme pour faire plaisir, vous voyez, seconde main, jusqu'au moment où j'ai dit non Seigneur, cette histoire là c'est terminé. Alléluia, c'est terminé. Et la plupart des chrétiens avec la parole de Dieu, c'est ce que vous faites, c'est ce que vous faites, seconde main. Ah, le pasteur a dit, j'étais dans mon église, le pasteur a prêché, il a dit, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi-même là, Dieu t'a dit quoi? N'attends pas que ce soit quelqu'un qui se connecte à Dieu, qui reçoive de Dieu, qui te communique, et maintenant toi tu reçois, ah oui, le prophète a parlé. Toi-même tu es prophète, non? Tu es prophète, sois prophète de toi-même. Moi je refuse d'être laisser les prophètes conduire ma vie. Je veux être prophète de ma vie parce que je suis prophète de ma vie. Et Dieu t'établit prophète de ta vie. Prophétise pour toi-même parce que c'est dans la parole. Alléluia, c'est dans la parole. Tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vienne de je ne sais pas combien de kilomètres pour venir te dire, ah ma sœur, je vois que... Toi-même tu vois quoi? Qu'est-ce que tu vois? Dieu amène Jérémie. Zacharie, il dit, mais qu'est-ce que tu vois? Mais Zacharie, là, je vois. Ah oui, Zacharie voit. Et puis il amène encore, Zacharie, qu'est-ce que tu vois? Je vois. Mais toi, mets ton nom. Dis ton nom. Moi, je vais te poser la question. Toi, dis ton nom pour que j'entende. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Tu vois comme Johnny qui voit des cailles et des steaks
à la fin du culte. Qu'est-ce que tu vois? Il faut que tu vois quelque chose. Parce que Dieu n'est pas loin. Il est juste là, à côté de toi, prêt, avec dans sa parole. Et je voudrais que nous soyons devenus le peuple qui sonde la parole de Dieu. Alléluia. Et Dieu va nous parler dans sa parole. Pas autrement. La meilleure prophétie est dans la parole. La meilleure prophétie, c'est pas « Oh, j'ai rêvé, Dieu m'a dit que... » La plupart de toutes ces histoires-là que vous entendez, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Depuis là que tu es converti, Dieu a dit, et puis tu vois rien qui se produise. C'est parce que Dieu n'a rien dit. Dieu n'a rien dit. Quelqu'un a voulu te faire plaisir. Ou a voulu avoir un peu... Parce que Dieu m'a dit là, après, il y a le panier qui passe. Hein? Non, non, tu n'as pas besoin de tout ça. Alléluia. Entre dans la parole et Dieu va te parler. Alléluia. Il dit, si quelqu'un me cherche, je vais me laisser trouver. Je ne connais aucune personne qui ait eu à cœur de chercher Dieu de tout son cœur. Parce qu'il dit, il faut me chercher de tout votre cœur. Il y a chercher et chercher. Il y a des gens qui cherchent Dieu sans cœur. Ils n'y mettent pas leur cœur. Un pas en avant, un pas en arrière. Il y a ceux qui cherchent Dieu avec la moitié du cœur, demi-cœur. Un pied dedans, un pied dehors. Aujourd'hui, tout est bon. Demain, aujourd'hui, on a la foi. Dès qu'il y a un petit obstacle, là, non, 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 ça ne marche pas. Votre histoire ne marche pas. Dis à ton voisin, ça marche. Notre histoire, là, ça marche. Alléluia. Notre histoire, c'est l'histoire de Dieu. Et l'histoire de Dieu, ça marche toujours. Alors, c'est pourquoi je vous ai encouragé dès le départ, ayez la foi. Alléluia. Alors, donc, Dieu dit, si quelqu'un me cherche, je vais me laisser trouver. Je vais me laisser trouver. Alors, quand Dieu est trouvé, ça, c'est la deuxième partie. Quand on trouve Dieu, Dieu bénit. Et je vais vous laisser cette bénédiction que Dieu apporte quand on l'a trouvé. Bon. Allez, je vais vous donner ce que je peux donner. Le deuxième texte du jour, c'est dans le psaume 9, verset 11. Le premier texte que nous avons lu, c'était dans Jérémie 29, verset 13. Le deuxième texte, l'Éternel règne à jamais. Moi, je lis à partir du verset 8. Il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice. Il juge les peuples avec droiture. L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Et voilà le verset 11 qui nous préoccupe. Il dit, ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Il n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Quand vous citez les versets là, oh, tu as dit dans ta parole, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point, il ne s'agit pas de n'importe qui. Il s'agit de ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, ce verset devient vrai pour toi. Mais si tu es là sans cœur, tu ne fais pas les choses de tout ton cœur, tu es un jour avec Dieu, l'autre jour sans Dieu, eh bien, tu ne peux pas revendiquer ce verset. Mais aussi longtemps que tu cherches Dieu, tu pourras dire oui, tu ne m'abandonneras jamais, tu ne me délaisseras jamais. C'est sa promesse. Donc la première bénédiction que Dieu donne consiste à ne pas abandonner ceux qui le cherchent. Alléluia. Dieu ne t'abandonnera pas si tu le cherches. Les hommes vont t'abandonner. Ton père et ta mère même peuvent t'abandonner. Mais en ce moment-là, puisque tu cherches Dieu, l'Éternel va te recueillir. Alléluia. Autour de toi, tout va s'écrouler. Mais parce que tu cherches Dieu, Dieu sera là avec toi dans ton combat. Je l'ai dit ce matin, parfois vous allez passer dans le feu. Et il n'y a pas un chrétien qui peut dire que depuis qu'il est chrétien, il n'est pas encore passé par le feu. Tout le monde passe par le feu. Tous les enfants de Dieu passent par le feu. Mais quand tu cherches Dieu, le feu ne te brûle jamais. Oui, il y a des moments où tu es en plein dans l'océan, sans bateau, sans rien. Tout le monde pense que tu vas te noyer. Mais si tu cherches Dieu, l'eau ne va pas te submerger. Parce qu'il dit, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Dieu n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Première bénédiction. Deuxième bénédiction. Dieu a de la bonté
pour ceux qui le cherchent. Qui ne veut pas de la bonté de Dieu? Dieu est bon pour ceux qui le cherchent. Lamentations 3, verset 25. Il dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui? Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Est-ce que tu veux bénéficier de la bonté de Dieu? Cherche-le de tout ton cœur. Est-ce que tu veux expérimenter la bonté de Dieu? Cherche-le de tout ton cœur. Alors en ce moment, tu pourras dire comme le psalmiste, « Oh, voyez combien notre Dieu est bon. » Alléluia. Mais nous répétons les versets à tort et à travers sans remplir les préalables. Le préalable pour que la bonté de Dieu se manifeste dans la vie des enfants de Dieu, c'est de le chercher. Et pas le chercher n'importe comment, le chercher de tout notre cœur. Et c'est pourquoi ma prière pour El Shaddai, c'est que en cette deuxième partie de l'année 2021, où nous entamons 40 jours de prière, eh bien que les enfants de Dieu viennent avec détermination, pour chercher Dieu davantage, afin d'expérimenter la bonté de Dieu. Alléluia. Oh, j'aime beaucoup ce que nous avons vu hier. Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire, montre-moi ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Et pourtant, il était au milieu d'un peuple, un peuple qui était désobéissant, un peuple qui était révolté, un peuple qui faisait tout contre Dieu, un peuple qui au cou raide. Le Seigneur lui-même dit, tu es un peuple au cou raide. Mais malgré cela, Moïse dit, montre-moi ta gloire. Et Dieu dit, ce n'est pas un problème, je vais te faire passer ma gloire. Et c'était quoi la gloire de Dieu? Il dit, ma bonté va passer devant toi. Et puis je vais proclamer mon nom. Et puis je vais te donner la grâce. Alléluia. C'est tout cela, la gloire de Dieu. Alléluia. La bonté de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Et quand tu cherches Dieu, il dit, je vais te montrer ma gloire. Il a de la bonté pour ceux qui le cherchent. Troisième bénédiction, Dieu prépare le bonheur pour ceux qui le cherchent. Qui veut être heureux? Ce matin, il y a quelqu'un qui a dit, je veux le bonheur. Un des visiteurs là. Il me dit, moi, je dis, qu'est-ce que tu veux pour 2000? Le bonheur. Je veux le bonheur. Qui ne veut pas le bonheur? Vous voulez le bonheur? Mais ce ne sont pas les vœux pieux. Hein? Oh, que cette année soit une année de bonheur. Une année. Ça, ce sont des vœux pieux. Des vœux qui ne vont apporter rien. On peut vous souhaiter 1001 vœux de bonheur. Les gens peuvent même envoyer des émoticônes, c'est ça, hein? Avec les gros cœurs là. Il y en a même qui ont les cœurs là qui mordus. Je pense que c'est mordu, c'est quoi, hein? Ah, c'est comme ça. Moi, quand je vois ça, je vois des gens qui sont en train de manger le cœur. Je dis, ah, cette histoire. Ah, ok. Eh bien, on peut vous souhaiter tout ça, mais si vous n'avez pas rempli le préalable, tout ça c'est walou. Psaume 119, verset 2. Heureux ceux qui gardent tes préceptes. Heureux ceux qui gardent tes préceptes, ces préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ceux qui le cherchent de tout leur cœur sont heureux. Tu veux être heureux? Cherche Dieu. Cherche Dieu de tout ton cœur. Ne te donne point de repos. Dans la parole, je vous ai dit que ça ne sert à rien de prendre l'avion pour aller au Brésil ou en Amérique latine. Il y a des gens qui prennent des avions, on va aller au Nigeria. Ah, là-bas, prophète tel. Je vais prendre l'avion pour aller en Afrique du Sud. Parce que là, il y a des prophètes là. Vous allez, si vous avez de l'argent à gaspiller, venez me le donner, je vais construire mon domaine. Alléluia. Beaucoup de gens ont voyagé et sont revenus les mains vides. Ils ont voyagé, ils ont payé les billets, ils ont payé le séjour, ils ont payé l'hôtel, ils ont tout payé. Et ils reviennent. Ah, oh, ben ça, ce sont des escrocs. J'ai dit, bien fait pour toi. Ah non, quand, j'aime ça. Quand quelqu'un revient et me dit, pas ça, c'est un escroc, j'ai dit, bien fait pour toi. Je n'ai même pas pitié, hein. Non, mais je n'ai pas un gramme de pitié pour quelqu'un qui prend son argent pour aller chercher Dieu là où Dieu. Vous m'entendez? Dieu est là. Dieu est juste à côté de toi. Alléluia. Fais juste comme ça, à côté. Je ne parle pas de ton voisin. Hein?
ton voisin, Dieu qui est à côté. Je dis, papa, je suis content de ta présence. Est-ce que vous... Papa, mon papa est là. Mon papa, c'est mon papa à moi. Mon papa, le Dieu... Je ne sais pas si vous comprenez. Dieu est là, juste à côté. Il dit, je suis juste à côté de vous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs. Il est juste à côté. Et il dit donc que quand on le cherche, il prépare le bonheur, la joie. Amen. C'était la troisième chose. Hein? Quatrième bénédiction que Dieu donne. Il ouvre l'intelligence de ceux qui le cherchent. Il y a des gens qui viennent, prie pour moi ce pasteur, je veux réussir dans mes études, prie pour moi. Ah, les élèves, là, vous voulez réussir dans vos études? Il faut chercher Dieu. Il faut chercher Dieu. Il y a des gens qui s'imaginent que non, c'est le blocus, moi j'arrête d'aller à l'église, je dois rester pour étudier. Cherche Dieu. Tu peux étudier. Si Dieu n'est pas dans l'affaire, tu ne vas pas réussir. Cherche Dieu. Mais je n'ai pas de ne pas étudier pour chercher Dieu. On étudie et on garde le temps pour Dieu. Alléluia. Oh, je ne vous le répéterai jamais assez. Mes collègues qui sont colonels, majors, des généraux aujourd'hui, et peut-être que quelqu'un est en train de m'écouter. On était à l'université. Qu'est-ce qu'il disait? Non, ne faites pas comme Adama. Lui, il lit sa Bible et les leçons entrent. Et je vous assure que c'était comme ça. Il lit sa Bible et les leçons. Ah! Mais c'est un mystère. Vous vous appliquez aux choses de Dieu, Dieu vous ouvre l'intelligence. Non seulement il ouvre l'intelligence, mais il orchestre les choses pour que vous ne connaissiez jamais la honte. Très rarement, je suis allé à un contrôle. Et le contrôle était en dehors de ce que j'ai étudié. Allô? Très rarement. J'ai un ami comme ça, qui faisait sciences éco à Ouagadougou. Et il faut faire le concours pour entrer à l'École nationale d'administration. Et lui... Il sent qu'il n'était pas vraiment... très bien préparé. Mais il cherche Dieu. Il venait de se convertir et Dieu, là, faut pas rigoler avec. Il cherchait Dieu. Vraiment cherchait. Et la veille, c'était le lundi que le concours devait avoir lieu et le samedi, il part à la bibliothèque de la faculté des sciences économiques. Bibliothèque. Il trouve la bibliothèque ouverte, il n'y a personne. Il trouve un livre sur une table. Un livre. Et puis il est poussé à laisser tomber tout ce qu'il voulait faire là. Il s'est assis et il a pris le livre. Et il a commencé à lire. Et il prend un calepin. Il prend des notes. Il a trouvé ça tellement intéressant. Il a pris des notes. Il a lu. Il est resté là. Il a tout lu. Il a pris des notes. Donc, se préparer pour le concours, il ne s'est pas vraiment préparé. Il a pris des notes d'un livre. Le lundi, ils arrivent au concours. Et le livre, le fameux livre, c'est un professeur français qui venait juste d'arriver le matin à la faculté et il est venu avec ce livre de Paris. Et il a oublié sur cette table, il est parti. Vous voyez comment Dieu orchestre les choses? Lui, il a tout noté. Le lundi, quand il arrive, la question, c'était ce livre. Tel auteur a dit ça, 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 ça. Et on dit de commenter. Eh bien, le gars, il a tout fait. Il a eu... Ils n'ont pas voulu lui donner 100%. Mais il a été convoqué devant le jury pour dire, mais messieurs, mais comment vous avez fait? C'est pas possible. Il a été le premier. Et avec ça, il a occupé des postes dans des grandes institutions internationales. Il a pris la retraite cette année.
Donc on l'a pris pour une grosse tête là. Il dit, tu t'imagines? écoute, quand Dieu est de ton côté, tu as la grosse tête. Quand Dieu combat pour toi, il t'ouvre l'intelligence. Et les gens n'y comprennent rien. Et ils ne comprendront rien. Alléluia. Mais cherche-le. Il faut le chercher de tout ton cœur. On a l'impression que, oui, c'est trop fatigant. On nous dit de faire ça, lire la Bible, se lever le matin, prier le soir. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Écoutez, c'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour ton bien. Comme Tatiana le disait tout à l'heure, quand la lumière là, quand tu te mets à étudier la Bible comme ça, c'est la lumière. La Bible, c'est la lumière. Hein? La lumière va éclairer. Et quand la lumière éclaire, parfois ça fait mal. Mais c'est là où Dieu veut guérir. Alléluia. J'ai trouvé dans ce livre que fumer n'est pas bien. Que se saouler avec la bière, ce n'est pas bien. Ce n'est pas un chrétien qui m'a dit. Je me suis converti. Aucun chrétien ne m'a dit arrête de fumer. J'avais des nouveaux amis chrétiens. Ils me voient. Et puis ils ne me disent rien. Mais je lis, mais j'aimais vraiment lire. La nuit, là, c'est lire. Et quand j'ai lire, et puis j'arrive dans Corinthiens, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et que Dieu va détruire? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu va le... Donc subitement, il y a eu comme un, vous voyez, un flash. Donc je fume, je détruis mon corps, je bois, je détruis mon corps. Donc Dieu peut me détruire pour ça. Mais comment je vais faire pour arrêter? Je suis allé voir mon vieux pasteur. Et puis, il a prié simplement. Et vous savez quoi? Depuis ce jour-là, je n'ai plus jamais pu fumer une seule cigarette. Et je vous parle du 26 juin 1980. Ah oui? Et la bière, c'est pareil. C'est ici là que j'ai réappris, on m'a poussé, oui, parce qu'on a voulu m'honorer en me donnant un vieux vin là de 1975. Non, Adama, c'est bon. Et puis on m'a donné, je dis, c'est pas bon. J'ai mis du jus d'orange et puis la dame de la maison, elle était scandalisée. Elle a pris, elle a versé, elle a ramené une autre coupe pour... Voilà. Donc, c'est maintenant que petit à petit, je peux goûter du vin. Alléluia. Voilà, vous là qui m'écoutez, qui me regardez. Oui, un pasteur, ça peut prendre du vin. Hein? Oui, oui. Parce qu'il y a des religieux. Non, il ne faut pas aller à l'alcool, c'est quoi? Oui. Alléluia. Bon, maintenant, vous là qui applaudissez. On se connaît. Ce n'est pas pour rien que les missionnaires, quand ils sont arrivés en Afrique, ils ont dit pas d'alcool. Et là, ils disent pas d'alcool. Et quand ils rentrent chez eux, ils ont leur bouteille là, ils prennent un peu. Parce qu'ils savent que si on vous dit un peu d'alcool là, toute la bouteille va être vidée. Il y a des gens, quand ils commencent, ils ne savent pas s'arrêter. Tout se fait avec mesure. Ne vous enivrez pas de vin. C'est ça qui est la débauche. Oh! Quand tu cherches Dieu, il ouvre ton intelligence. Je vais arrêter parce que sinon, on ne va pas finir aujourd'hui. Alléluia. Vous m'entendez? Quand vous cherchez Dieu, il se laisse trouver. Et quand vous l'avez trouvé, il vous laisse des bénédictions. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de le chercher? Alors cherche Dieu. Dis à ton voisin, cherche Dieu. Cherche Dieu, cherche Dieu. Alors venez rapidement, on va chanter ce cantique-là. Je te cherche. Je te cherche. Ça, c'est un cantique formidable que je voudrais que nous chantions. Je te cherche. Hein? Avec ardeur. Alléluia. Dans mon cœur, je te cherche avec ardeur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut chercher Dieu avec ardeur? Alors, je vous invite donc à vous lever. On va le chanter et on va vraiment l'exprimer dans le plus profond de nous-mêmes. Dire à Dieu, ça y est, cette affaire-là, c'est terminé. Marcher comme, à la légère. C'est terminé, je veux me concentrer, me discipliner pour te chercher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je te cherche Seigneur. Ce midi, je te bénis parce que c'est toi qui nous donnes cette grâce de te chercher. Oh Jésus. Alléluia. Yes.
Glory. Mm. Je te cherche. Je Alléluia. Te cherche. Yes. Tous ceux qui cherchent le Seigneur peuvent lever leurs mains vers le ciel. Non seulement chanter, prier. Si le Saint-Esprit t'a déjà baptisé, tu peux parler en langue, tu peux le louer en langue. Tu peux élever la gloire de Dieu en langue. Parce que Dieu répond à ceux qui le cherchent. Et il vient à leur rencontre. Alléluia. Yes, yes. Je te cherche, je te cherche, je te cherche, reçois-moi l'adoration. J'ai besoin de toi.
Alléluia. Yes. Mon âme a besoin de toi. Et j'espère que c'est ton cas ce matin. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fasse du bien. Alléluia. Alors, si vous avez apporté une offrande, si vous avez apporté une dîme,